Les amis, l'apostle Phil. Les amis, je l'ai qu'à tranquillement. Je dis à cuit en grain. Toute lumière, je l'ai calimé. Je l'indicatif présent, les amis. Sans question à poser. Bon, les amis, alors, aujourd'hui, les amis, je vais vous demander toute votre attention. Parce qu'on va parler d'un sujet important, les amis, qui nous concerne tous. Tous les Guadeloupéens, les amis. Martiniquais aussi. Tous les Guadeloupéens. Principalement. Parce que j'ai quelques révélations à vous faire concernant le dossier de l'eau. Et quand je dis tous les Guadeloupéens, c'est tous. Même si vous n'avez de l'eau à Gaza, vous concernez. Ah, parce qu'on n'avez de l'eau, je de la Gaza, vous n'avez tout le temps. Vous payez bien pas ni des mains aussi. Et je suis là, vous payez ni de l'eau là, vous pouvez bien trouver, vous pouvez bien voulez trouver d'autres mondes qui sont solidaires à cause. Donc, commencez par être solidaire à cause de ça qui panne. C'est ça qui est solidarité. OK? Bon. Alors. Ouvert, je vais y aller, gars, les amis, audio là que tu es long, mais il faut que prendre ton côté. Alors, on va passer pour commencer la vidéo à M. Osiris. M. Osiris, je suppose que les compagnons ne connaissent pas lui. Moi-même, je ne connais pas connaître lui auparavant. Et son Guadeloupéen qui vit en Arabie Saoudite. C'est un ingénieur en génie civil. Et il a fait une intervention lors de la dernière réunion du LCDM organisée par Rubio Kiaba. Et monsieur te dit un bitin qui grave. Qui grave. Alors écoutez ça, les amis, à capable cette vidéo là, nous allons revenir tout de suite. Nous avons un problème à de l'eau en Guadeloupe. Au-delà de ça, j'ai le projet là, nous avons un projet qui est associé de l'eau et énergie. Nous avons un problème qui est crucial et criant concernant de l'eau. C'est pour ça que nous avons que nous avons tout le dossier. Personnellement, en pensant content moi, en téléphoner des amis qui travaillent dans la finance, qui a manqué des gros projets de moi-même, parce que nous avons construit des villes en Afrique, nous avons traversé des différents projets. En disant que c'est un problème grave en pays à moi, en disant 2 milliards d'euros pour investir ici de l'eau pour nous réparer ça. En écrivant mes bons mandats, qui a fait 300 pages, en cas dit exactement quand il est vrai. Envoyé par Chalus. Envoyé par toute qualité, mieux à la guimola envoyé. Je dis moi, c'est Francis qui a occupé de l'eau. En crier Francis. Francis pour chien crier. En mettre 2 milliards sur table là. Et envoyer tous les papiers nécessaires. On s'est dit dans la Madeo, c'est montrer mon banque et que la région reste dans le monde qui est capable de dire que nous prenons responsabilité à ça. Par contre, moi, à quand mettre en condition. L'argent là, parmi une base de clients, à quand venir avec un projet moins appliqué. Parce que c'est un nouveau réseau total dans la région. Pour le monde pour répondre moi. Faut nous arrêter avec ces gars de mascarades. Donc c'est pas un problème de l'argent. C'est Guadeloupe qui est mis 1 euro, qui ceci, qui cela, à part ça. Quand nous voulons faire un pays là, ça. Alors, les amis, vous entendez ça, il dit? Est-ce que vous entendez ça, Bougadi? Ça, monsieur Osiris dit, est-ce que vous entendez ça? Hein? Non, mais les amis, ça grave, hein? Bougadi dit qu'il y a un problème à l'eau en Guadeloupe. Il y a l'autre Chalus. Il dit qu'il y a l'autre dans la Kimola, c'est quoi on est? Aïe, silence radio, yo dit, bon, a pas problème à yo, bon, vrai, ça avait Jean-Louis Francisque. Jean-Louis Francisque, c'est qui président à l'heure, CMJEAG. Bitad Lou, là, c'est qui président là. Il check Jean-Louis Francisque, il crie Francisque, Francisque, pas, j'ai crié, silence radio, les amis. Pour le monde, pas répondre, lui. Non, mais les amis, non, mais ça. Pourquoi tu veux comme ça? Est-ce qu'ils sont bien étonnés? Il a 2 milliards là, il a 2 milliards les amis. Hein? Voilà, par le bien investisseur pour faire le réseau complet de Guadeloupe les amis. 2 milliards, il nie l'argent là. Il a dit qu'il a envoyé un dossier de 300 pages aux élus de Guadeloupe les amis. Il n'y a pas bougé. Pognon a dans ces baisses électriques là, pas bougé les amis. Pognon. Alors, comment comprendre cette différence de nos élus les amis? Son question à poser. Comment les amis? Alors, un peuple qui souffre depuis tantôt les amis, ou plutôt depuis plus de 15 ans, souffrance, les amis, coupé ou d'eau. Et les amis, est-ce que vous pouvez commencer en Guadeloupe, et notamment en premier,
eh bien, sur les communes de la Riviera, hein, et elles se sont propagées par la suite sur trois quarts du territoire guadeloupéen aujourd'hui. Les amis, le peuple guadeloupéen, les amis, les écoliers vivent au gré des tours d'eau, les amis. Nos enfants sont parfois privés, les amis, d'école pendant un mois dans l'année, les amis, à cause des problèmes de l'eau là, ça. Et nos élus, les amis, eh bien, n'ont pas accouru, les amis, quand un Guadeloupéen leur a présenté le projet de reconstruction du réseau d'eau en Guadeloupe. Ils n'ont pas dit rien, ils n'ont pas réagi. Alors, les amis, que n'ont pas prétendu tous les jours qu'ils ont aimé Guadeloupéen. Voilà. Voilà. Qu'ils ont aimé la Guadeloupe. Voilà. Voilà. Et qu'après, ils ont aussi bondi. Non, mais les amis, ça grave ça. Hein? Eh bien, c'est simple, les amis. Voilà. Eh bien, ce ne sont pas des élus locaux. Ce sont des zéro locaux, les amis. Oui, des zéro locaux. C'est comment vous en criez, yo. Peuple qui a vraie misère, les amis. Peuple qui a souffert. Peuple qui a été sans de l'eau, les amis, pour y laver, yo. Peuple qui a été sans de l'eau pour y laver les jatimouna, yo, les amis. Sans de l'eau pour faire vaisselle, yo. Pour tirer sur ça de l'eau, là. Hein? Lorsqu'on s'y caca. Et c'est mal maqué, là, ben, yo, là, yo, pas ronflé, yo, pas dormi. Voilà. Et le pire, c'est que yo, pas honte. Il n'y a pas 40 ans, les amis, c'est bête électrique là, ça. Alors, les amis, qu'on parle de la Guadeloupe aujourd'hui, les amis, dans tous les médias nationaux et internationaux, regardez, écoutez, regardez, voilà, un magazine américain, regardez, vous voyez, chinois, regardez, vous voyez, il n'y a pas mal d'habitants dans tous les pays, les amis. Concernant le sort de cette population, les amis guadeloupéennes, en poids avec cette violence sanitaire qu'elle subit. Parce que c'est une violence, les amis, il faut le dire. Et la classe politique, les amis, n'a que faire. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, moi, de eux-mêmes. Et les médias chinois, américains, ils ont là. Ils ont tout qu'à parler de nous. Ils ont tout qu'à parler. Même l'ONU, les amis. L'ONU aussi a interpellé la France, les amis. L'Organisation des Nations Unies, la semaine dernière. Hein? Regardez ça. Mili, regardez un petit morceau, regardez. Ce que l'ONU a dit. Non, mais les amis, ça grave, les amis. Et bien entendu, Ludovic Tolassi n'était pas en contact avec l'ONU aussi, à l'époque. Non, mais les amis, ça engendre. Hein. Mais là encore, les amis, eh ben, nos élus eh ben, n'ont même pas honte. Au contraire, ils sont fiers. Voilà, ils ont qu'à bomber le torse. Voilà. Ils ont vu, regardez, l'autre type de mobile là, l'os bar. Regardez. Qui n'y tant fait un petit montage, voilà, pour narguer Guadeloupéen, justement avec affaire de l'eau là. Voilà. Alors que peuple sont de l'eau. Mais regardez, on a passé une vidéo à l'os bas là, regardez. Non mais les amis, c'est pour moi de gens, c'est messieurs, c'est vraiment des. Regardez ça, nous avons. Nous tentons nouveau président de la CAR. En tout cas, les amis, vous voyez l'osba? Vous voyez? Ça, c'est pour narguer population là. Nous prenons le problème de l'eau, mais regardez, il y a quoi pompier là, il y a quoi amuser de l'eau là. Voilà. C'est pour montrer les autres, les amis, j'en sais, mais c'est pas rien à foutre de gel en nous. Mais les amis, nous ne pas parler plus. Nous ne pas parler trop, les amis. En qui mettez ça en main, moi, les amis. Ça qui comprennent, comprennent. Ça qui comprennent, comprennent. Les amis, il faut savoir, les amis, que l'Europe, les amis, la France, etc., a donné par deux fois, hein, les amis, hein, des sommes conséquentes à la Guadeloupe pour le réseau d'eau durant les 10 dernières années. Mais quand ils ont fait l'argent là, regardez, nous allons lire ensemble. Une enveloppe de 50 millions a été octroyée à la CMGEAG. Voilà. Pour mener à bien ben, des chantiers. Voilà. Yoba Jean-Louis Francis, l'argent là. Voilà, 50 millions. Allez, vous voyez? Voilà. Et à plusieurs reprises, hein? Hein? À plusieurs reprises, hein? Mais quand il n'y a pas fait l'argent là? Quand il n'y a pas fait l'argent là? Il n'y a rien pas qu'à ranger, il n'y a pas qu'à solutionner. Eh bien, les amis, il n'y a pas gaspiller l'argent là. Il n'y a pas manger, il n'y a pas bobancer. Voilà. Premier coup là, deuxième coup là, eh bien, il y a acheté matériel, mais matériel de mauvaise qualité. Esprit, les amis, à bas coût. Esprit, les amis. Il a fait ces travaux là, et c'est pour ça justement que tu as pété tout partout, parce que, eh bien, c'est voilà, à pas habiter de bonne qualité.
Et voilà la chose, ça qui a fait actuellement, mais comme dit Luc Léandri, eh bien, tout ce qui a fait tout partout, tchat, 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 donc a tout partout. Kaka, on est à mon tout partout. Je reprends les amis. Non, mais ça grave, les amis. Hein. Veolia n'est pas le seul fautif. Veolia fautif aussi. Hein? Mais si Veolia agit quand il agit là, les amis, c'est parce qu'en face à vous, les amis, t'es ni des petits péolins. T'es ni des petits péolins pépins. C'est lui en nous là. Et j'en là, j'en fais population là comprendre que le problème, c'est parce que Macron n'envoie pas d'argent. Hein, pour faire le réseau d'eau, mais c'est pas vrai, il y a quoi voyer là, de temps à autre, c'est ça qui a commencé. Non, mais j'aime bien comprendre que Guadeloupe est couillon. Hein. J'aime bien comprendre que nous couillons, voilà. Ouais. Non, mais les amis, c'est fini ça. Hein. C'est fini ça, c'est vite. Hein. Nous en 2024, les amis, hein. Peuple a lié, écrit, hein. Peuple a nié, on est tout vite. Hein. Viens nous pas boucher quand ta famille en nous, qu'elles ont été couillonnées à l'époque. Comment? Et c'est pour ça que nous là, c'est pour nous défendre, yo. C'est pour nous venger, yo, de ça, faire, yo. Parce que ça n'est des répercussions si nous, là. Hein? Macron n'a pas à envoyer d'argent pour l'eau des jardins. Et c'est normal que Darmanin a dit, eh bien, que les élus antillais, pas ni niveau, hein? Pas ni pomme en face, ça y est pour discuter avec. Hein? Après, ils ont été contrariés, là, ça fait, là, ils disent ça. Mais ils ont une raison. J'en sais des zéro pointés, j'en sais des bœufs électriques. Voilà. La Guadeloupe a la compétence de l'eau. Hein? Mais son cas attend qu'elle mette azote, voyons, zob azote. Comment non? Hein? Non, mais son yon problème, c'est un voie azote. Hein? Son yon gros problème, c'est un voie azote. Hein? Population, moi, on y a une question azote. Guadeloupe, on y a une question azote. Alors, quand vous n'avez pas d'argent, par exemple, ça fait azote mili. Hein? Bon. Et vous avez des factures à payer. Eh bien, vous allez faire un prêt. Donc, auprès d'une banque privée, hein, pour démêler la situation azote. Hein, afin de donner à manger à vos enfants. Il me semble. Hein, parce que vous aimez vos enfants, n'est-ce pas? Bon. On ne va pas qu'à prendre un avion pour aller à Paris. Vous Macron, il me semble, pour quoi que ce soit. Hein, bon. Eh bien, Guadeloupe, les amis, eh bien, c'est lui en nous là. C'est bœuf électrique en nous là. Eh bien, vision, il y a ce qui m'était. C'est des pays qui ont un problème. Eh bien, il y a quand même du noir, bah mettre à yo Macron. Voilà. C'est extraordinaire, hein? Non, mais les amis, il faut nous applaudir, hein, ces messieurs. Non, mais faut nous applaudir. Ça c'est important. Ça c'est très important d'applaudir ces messieurs. Non, mais ça phénoménal, hein, les amis. Et après ça, eh bien, yo même, la ville dit nous, voilà, que c'est les experts de la situation qui est. Voilà, pas les pires experts qui sont. Voilà, pas les pires experts qui sont de la Guadeloupe. Et quand le gouvernement là prend des décisions sans consulter yo, eh ben yo vexé, yo honte, yo enragé, yo quoi ouclé, yo quoi monté en coco. Non, ils ont pas raconté. Ils ont pas raconté. Normalement les amis, si je suis des bouc qui responsables et qui aiment peuple azote, j'ai aimé timoun azote, hein? Eh ben ça n'est qu'à chercher des investisseurs privés et discuter des projets là ça, pour projet à Glo là par exemple, pour régler le problème là. Discuter bougré, discuter avec vos juristes. Non, ils n'ont pas répondu. Voilà. Ils ont préféré monter Paris et pleurer peine d'azote. Voilà. Non, mais les amis, non, vous êtes des élus de pacotille. Vous êtes des élus de pacotille. Comment non? Moun kapote solution d'azote pour de l'eau là, ils ont qu'à dormir. Bougré, j'en laisse parler de la géothermie depuis plus de 15 ans, à rien par là. Ils ont qu'à snobé bougré, ils ont pas dit bougré. Et en conclusion, eh bien, ça c'est des mouns sans couilles. Voilà, vous êtes des eunuques. Ouais. Des eunuques, les amis, eh ben, ce sont des gens à qui on a coupé leur couille. Ils ont coupé leur caillou. Voilà. Mais dites-moi, les amis, et les élus, dites-moi, qui vous a coupé vos couilles? Qui vous a coupé les couilles azote? Madame Azote, c'est qui vous? C'est Macron, c'est qui vous? C'est une question qu'a posé. Qui vous? En tout cas, à partir de ce jour-là, ils ont peut-être qu'à ta Guadeloupe et azote. À partir de ce jour-là, ils n'ont pas Guadeloupe et encore. Démissionné. Nous avons un azote. Non, non, c'est autre chose qui a fait mon route. C'est autre chose qui a fait la Guadeloupe route. Ah, dans tout problème, nous n'y en pays là, mais ils n'ont pas gens à la hauteur de rien. Ils n'ont pas gens qui fait rien. Ils n'ont pas gens qui fait rien. Déficit tout partout en pays là. Comment non? Glo là, eh bien, c'est ça qui fout le bordel là. Donc, zéro pointé. Assainissement en nous, même situation là. Donc, zéro pointé.
Claude Conn là, où la sont payé. J'ai la zone toute fermée. Alors que t'es ni en loi dans autre qui était déjà là hein, à l'époque, qui était déjà aux affaires à l'époque. Hein? Ils ont laissé affaire là s'affriner pendant plus de 30 ans. Voilà, 30 ans, les amis. Hein? Ils ont été réfléchis. Non. Non, ils n'ont pas réfléchi. Voilà. Gardez ça, vous faites pour nous, les amis. Gardez ça. C'est vous pointé, les amis. Voilà. Aïe. Aïe pas fait en direction à peuple là. Aucun retour sur investissement, les amis. Maintenant, les amis, ça, c'est pas normal. Et toute collectivité, organisme en Guadeloupe, c'est déficit tout partout. Déficit sur déficit. Voilà. Seule compétence à Zot, hein, c'est vendeur professionnel de la Guadeloupe, en pièces détachées. Mais c'est l'argent fort. Voilà. Spécialité à Zot, c'est là. Voilà. En tout cas, les amis, je veux terminer en m'adressant à nos frères de la Martinique. Je sais que vous subissez aussi des coupures d'eau dans certaines communes chez vous. Mais les amis, arrêtez d'habiter, occupez-vous de ça. Pas laisser cette situation-là dégénérer quoi en Guadeloupe. Donc, à vrai, j'en nous prenons gaz. Gardez quelqu'un qui a fait sérieusement dans l'affaire de l'Oulassa. Et pour conclure, les amis, eh bien, donc à vrai que ni des Guadeloupéens sérieux et compétents, hein, qui ont apporté solution pour faire pays là avancer. Et c'est des mouns qu'on nous. C'est des mouns qui sont nous. C'est des mouns qui en poste, mais qui ont refusé que le pays Guadeloupe progresse. Et c'est même bien là pour la Martinique, qu'on a supposé. Si mouns nous, les amis, qui voulaient rentrer au pays, bien souvent, il y a des projets pour aider la population là. Mais c'est encore, les amis, des mouns qu'on nous, qui ont bloqué, ces élus là. C'est si mon azote, les amis, ben, qui a vivre loin des autres. Et ben, c'est parce que c'est parce que, ben, c'est peur, les azotes là, hein, et ben, qui a fait si mon nous fuit la Guadeloupe. C'est yo, à cause de comportement yo. Yo qui a fui la Guadeloupe, yo qui a fui la Martinique. Et yo qui a déposé des familles azotes, des terres yo aussi. Et pendant temps là, ça, et ben, d'autres qui ont rentré 6 places. Hein, les gens venus du foie qui rentrent. Voilà. C'est ça, les amis. Hein. Et vous prenez place à Timon en nous, Guadeloupe, Martinique. Alors, peuple, j'allais pour vous prendre conscience. J'allais pour vous investir à Zot, pitié à pitié. Hein, pitié à pitié. Vous prenez tout ça à nous, vous prenez terre en nous, dignité en nous, respect en nous. Et nous, nous attendons l'éternel, venez sauver nous. Voilà. Non, les amis, trop, c'est trop. Oh, de le problème des Outre-mer. C'est qu'on a tendance à. À chaque élection, les amis, de demander le changement de politique. On attend un homme politique providentiel. Et c'est là qu'on se trompe, les amis. Hein? Ce système-là qui n'est pas bon. Ce système politique-là, les amis. Quel que soit l'homme ou la femme politique eh bien, qu'on va mettre en place dans l'état actuel des choses, mais ce sera toujours pareil, selon moi, hein, là, on regarde bien. Parce que le système politique actuel est fait pour nous réduire au silence. Pour nous déposséder, pour nous rendre des sous-hommes. Hein? C'est comme si on a un exemple tout bête. Hein? Ou quoi changer ou avoir voiture tous les 6 ans. OK? Mais il n'y a pas jamais à fonctionner. Il n'y a jamais à fonctionner bien. Tous les 6 ans, on va changer. Mais un moment, les amis, c'est concessionnaire là, il faut changer. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? À part ni en voiture allemand, espagnol, ni chinois, hein? Qui est bon ben nous? Mais on voit qui fait à cas en nous, pas nous-mêmes. Est-ce qu'ils sont d'accord? Et tant que le peuple peut comprendre ça, les amis, eh bien, nous ne pouvons jamais mettre à cas en nous, les amis. Et nous ne pouvons jamais mettre à destin en nous, non plus. Alors, méditez sur ça. C'est ça quand il y a 10 jours de là par rapport à de l'eau là. Parce que nous, on l'est, les amis. Trop, c'est trop. On l'est, faut agir. À bas dit plus. Ok les amis, en tout cas merci de partager la vidéo là ça en masse parce que faut tout Guadeloupéen, Martinique et même Guyanais aussi hein, parce que bon à part ça pour la Guyane mais on peut supposer quand même que Yoni à part ça justement faut renseigner moi. Ok les amis, nous pas faire constater mais ça sur lui les amis. La poste sans filtre.